Ouf, Maxi, on s'en va skater. Ce matin, on s'en va au skatepark de Granby, ce qui devrait être quand même cool. C'est un nouveau skatepark. On est fin octobre, ça a gelé pas mal cette nuit, fait que ce matin, c'est froid. On va essayer d'aller skater avant le démo. Bref, il y a un démo là, de parallèle, puis skate éducation. Donc, on va essayer de skipper ça le matin, puis après ça, on s'en va skater à Montréal avec des amis. Alors, voici le road trip pour skater. Salut tout le monde, alors on est au parc olympique. Je m'en vais skater pour la première fois le skate park Vans Park à Montréal. Par contre, petit bug, j'ai cassé des côtes hier. Fait que ce que je vais faire aujourd'hui, malheureusement, je ne pourrais pas vraiment skater le parc. Je vais aller filmer un petit peu un ami, puis au moins on va aller voir le setup un peu comment c'est organisé, puis je vous montre ça à l'instant. Alors voici le skatepark de Vans à Montréal. J'étais ici dans le but d'essayer de rider
un peu le contour du parc parce que le bol il est vraiment insane. Il est vraiment pour les gens vraiment avancés. Donc, ce n'est pas mon cas, j'aurais pu rouler dedans, mais j'aurais rien fait de gros. Mais là, vu que je me suis pété les côtes hier, je remets la session ici à un autre jour. On filme un peu un de mes amis, puis ça, voilà. Alors, on met ça dans un prochain épisode ici, éventuellement. Bonne nuit tout le monde, j'ai 2h30 et non, ma femme m'a pas mis hors du lit ou hors de la chambre. C'est moi qui s'est mis dehors du lit pour pas déranger parce que j'arrivais pas à dormir à cause des quelques côtes que je me suis cassé ce week-end. Alors je suis dans le salon puis on peut discuter à dormir, donc j'avais goût de fou à partager un peu l'état des choses actuellement. Donc, c'est ça. Comme vous avez peut-être vu dans la vidéo, je suis mal tombé. Je suis tombé sur mon bras vraiment solidement. Puis, ça m'a brisé des côtes. Puis, là, je suis en mode tentative de récupération. Puis, ben voilà. C'est pas plus grave que ça. Hein. C'est des choses qui arrivent. Puis, j'ai été super chanceux cet été, cette saison. Hein. Pratiquement pas eu de blessure en skate, puis ben voilà, ça nous rattrape un jour ou l'autre, mais c'est pas plus grave que ça, hein. On va guérir quelques temps, puis ça va revenir. Puis la bonne nouvelle là-dedans, ben, c'est que ça devrait pas me limiter dans trop de choses. Bref, au travail, je devrais être en mesure de fonctionner. C'est un risque à prendre, c'est un risque. J'ai beaucoup de clients qui me disent oh, attention, qu'est-ce qu'on va faire si jamais tu te casses un bras ou quelque chose comme ça. Puis là, ben, évidemment, j'ai des clients qui m'ont partagé ce fait la semaine dernière, puis il fallait bien qu'en fait, cette semaine, il se passe quelque chose. Puis, ben voilà, c'est pas plus grave que ça. Puis, ben, quelques temps, ça devrait être résolu.